On fait comme si on était la veille d'un défilé. Et on travaille. On essaie de créer une ambiance de rehearsal, mais il ne faut pas qu'elle mouge les filles. Il est bien, hein, il est vachement bien. Oui, ça c'est bien ça, très bien. Allez, vas-y, 1, 2, 3. Je me suis dit, ah, bah, ça serait marrant de faire un backstage, parce qu'en y allant, il y a une chose qui m'a plu, c'est que j'ai vu à quel point Nicolas est impliqué. À un moment, j'ai dit, mais il est partout, ce garçon. Donc, on va le faire partout. Tu veux que je regarde plus comme si elle passait, c'est ça ? Simplement, tu la regardes. 1, 2, 3. Très bien. On est des petits tableaux faits avec des morceaux de photos. C'est une fresque. Nicolas, reste droit. Voilà, voilà. 1, 2 et 3. Good. C'est une sorte de rêve ou de fantasme qui devient réalité. Je suis toujours très inspiré par les photos de Jean-Paul. Et aujourd'hui, devenir en partie le sujet, ou en tout cas un des personnages de l'histoire qu'il écrit, lorsqu'il réalise une séance photo, c'est un moment unique, ouais, particulier. Exaggerate, donc. 1, 2 et 3. Très bien. Wow. Son interprétation de ce qu'a été la réalité d'il y a quelques jours, en fait, du défilé. Ça, c'est incroyable. Moi, j'ai toujours eu le souvenir qu'elle faisait des choses en action. C'est fini ? C'est fini. C'est fini.